Salut à tous, c'est Adrien de Entreprendre dans la mode. Une petite annonce juste avant de commencer l'épisode. Je viens de lancer une newsletter hebdomadaire où je résume en cinq minutes de chrono les principaux enseignements tirés de chaque épisode du podcast. L'objectif, c'est de vous donner des clés pour entreprendre et réussir dans la mode. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur mon site www.entreprendre dans la mode.com. Bonne écoute. Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de David Obadia. Il est le cofondateur de Boston We Go Hard, plus communément appelé BWGH, et il est également le fondateur de Harmony. Dans cet épisode, David revient sur son parcours. On rentre en détail dans chacune de ses deux aventures entrepreneuriales. On parle d'abord du succès fulgurant de BWGH, puis sur les raisons de la fin prématurée de cette première marque. Ensuite, on rentre dans le détail de la création de Harmony. On parle de beaucoup d'autres sujets, et notamment de l'importance de mettre son ego de côté, de travailler avec persévérance et humilité. J'ai adoré interviewer David. J'espère que vous. Tant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la Mode. Je suis aujourd'hui avec David Obadia, le fondateur de Harmony. Bonjour David. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh, Je suis David Obadia, j'ai 29 ans, je suis le fondateur et le directeur artistique de chez Harmony. Et je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui pour parler de mon parcours et ma petite histoire. Très bien, je suis tout autant ravi. Euh, pour euh, la question que je pose en général à mes invités, c'est de reprendre leur parcours depuis leur euh, mm -hmm. le, leur plus tendre enfance. Si tu penses que ça que c'est important, jusqu'à aujourd'hui. Alors, de tendre enfance, je ne sais pas si c'est euh, si c'est essentiel de parler de ça, mais mm. je vais te parler de mon cursus ouais. euh, universitaire. Mm et euh, mon background familial en fait ouais. je suis un enfant du prêt à porter parce que mon père avait créé une marque de jeans dans les années 80 qui s'appelait C17 ouais. qui était un des principaux concurrents de Levi's, Crix, uh, Liberto donc j'ai un peu on va dire je suis un enfant du blue jeans, j'ai grandi mm -hmm. là-dedans et j'ai toujours eu euh, une admiration pour mon père euh, immigré pied noir qui a commencé de rien et qui a réussi à monter un business florissant donc j'ai vraiment eu cette admiration et j'ai grandi dans cet univers du beau, du produit, mmh. et j'ai voulu, euh, <coughs> voulu à, à mon tour raconter ma propre histoire. D'un point de vue euh, universitaire, moi j'ai fait un master 2 à l'Université Paris-Dauphine, donc j'ai fait euh, trois ans de gestion, un an de marketing, un an d'entrepreneuriat, mmh. une année de césure où euh, j'étais l'assistante Stéphane Ashpoul chez Pigalle. Mmh. Et euh, d'un point de vue euh, entrepreneurial, c'est quand j'étais à Dauphine en troisième année. Euh, j'ai fait Dauphine parce que je pense que c'était bien de faire une grande école, mais j'ai toujours voulu euh, soit faire la personne, soit faire une école de mode. Mais je pense que je savais pas si dans mon univers euh, social, c'était bien de vouloir faire une école de mode. Il fallait plutôt faire une grande école parce que mes sœurs sont diplômé de grande école mm. et donc j'ai fait ça et je m'ennuyais un peu quand j'étais à Dauphine et donc en fin de deuxième année j'ai créé une première entreprise qui s'appelait BWGH qui a eu un, un succès un succès assez sympa quand j'étais étudiant et j'ai fait ça pendant cinq ans mm. et sur la fin de la cinquième année quand j'ai quitté BWGH et vendu mes actions de la société j'ai créé Harmonie un projet qui me semblait plus me représenter mm. Et simultanément d'Harmonie, j'ai créé une agence de conseil où aujourd'hui je fais du conseil pour des pour des marques. Mais ça, c'est plus un projet on the side. Mon projet quotidien, c'est développer Harmonie, développer une marque mmh. de luxe accessible pour créer un uniforme du quotidien, comme mmh. j'aime bien le dire. Et et j'alloue 20% de mon temps à du consulting à côté pour des maisons. Alors on va revenir un petit peu dans le détail de, de tout ça et je vais te couper plein de fois. Euh, pas de quand tu dis que que as fait une école, une, une grande école de commerce, et euh, que au fond, tu aurais peut-être voulu faire une école de mode plutôt la Parsons ou la Saint Martin. Euh, tu, tu penses que ça t'a manqué Je pense aujourd'hui qu'un bon directeur artistique, il n'a pas besoin nécessairement de faire une école de mode s'il mmh. a un propos sûr de lui et affirmé, ce mmh. que je pense avoir. Mais au démarrage de ma carrière, ce manque de compétences techniques, c'était une vraie lacune. Donc, je me suis entouré de développeurs produits, modélistes en interne. Euh, toutes ces ressources-là, au début, je comprenais ce qui était beau parce que j'ai toujours eu cet amour du beau, cet amour du produit, des belles matières, de chercher oui. les choses. J'aimais le vintage. Je collectionnais des choses. Oui. Mais je comprenais pas la complexité d'un vêtement. Oui. Et ça fait aujourd'hui sept ans que je travaille dans ce secteur-là. Aujourd'hui, je pense que je maîtrise je sais où sourcer une matière, je sais comment comprendre comment un vêtement est monté, comment il est confectionné, parce que je passe beaucoup de temps dans des usines et c'est ça qui me plaît dans mon métier. Mmh. Plus que gérer une entreprise aujourd'hui, je dis souvent, il y a des. Pour moi, dans une marque, il y a une dichotomie entre un directeur artistique et un directeur général. et Moi, je pense être un bon directeur artistique. Enfin, je ne sais pas si le bon, c'est le terme, mais mmh. j'aime faire des vêtements, j'aime. Je ne sais pas si j'aime vraiment faire des entreprises. Ouais. Donc j'aime et aujourd'hui j'ai appris à faire des vêtements et c'est ça qui me rend heureux. Et au démarrage j'avais cette frustration et j'étais un peu gêné d'être directeur artistique alors que je, pour moi, pour être un directeur artistique, bah, il faut avoir fait la Saint Martin's ou comme une grande école de mode. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui on, on attend d'un DA pas nécessairement d'avoir une compétence technique, mais d'être un porte-parole, de savoir euh, D'avoir une vision ferme, claire mmh. et déterminée. Mmh. Et beaucoup de DA qu'on admire aujourd'hui n'ont aucune compétence technique sur le vêtement. Ils savent juste ce qu'ils aiment mmh. et, et ils se font encadrer par des professionnels techniques du vêtement. Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux revenir un petit peu euh, sur la genèse de, de ta première marque Ouais. BGWH. Alors euh, comment en fait l'idée de, de Brooklyn Wegoard, quand on l'a commencé... C'était juste, j'étais, euh, en fin de deuxième année à Dauphine. Je m'ennuyais un peu. J'avais un ami d'enfance, euh, Nelson. Euh, je savais qu'il avait, euh, il a grandi dans une famille du prêt-à-porter. Son père était encore actif dans le prêt-à-porter. Mm. Le mien n'était plus du tout dans le prêt-à-porter. Et, euh, et je disais à Nelson "J'ai des idées, j'ai des compétences, mm. mais je ne sais pas comment, je ne sais pas comment produire un vêtement, je ne sais pas comment le distribuer." Mm. Et lui, c'est toujours été un garçon très débrouillard. Et je lui ai dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer une marque où on pourrait promouvoir des photographes, donc faire des t-shirts avec simplement des, leurs photos sur des t-shirts, faire un collectif de photographes et ensuite faire une, une marque culturellement orientée, on pourrait dire. On s'est vu et on a commencé, on a mis 5000 euros chacun. Grâce à Nelson et, et son père et leur connexion, on a pu faire un, un salon, parce que à l'époque, en 2010, les salons étaient encore très importants. Aujourd'hui, je pense que toutes, tous les bons acheteurs viennent en showroom, mmh. moins en salon. Et donc, on a fait le Tranoï. On ne connaissait rien au prêt-à-porter. On a fait 15 t-shirts et, et tout de suite, il y a eu Antonioli, Colette, Le Bon Marché. Ah, ça a pris tout de suite comme ça? Tout de suite. On ne connaissait rien. On était... qu'est-ce que, c'était quoi le, qu pourquoi le propos plaisait? Qu'est-ce qui plaisait dans votre, dans la marque? Bah, ben, je pense qu'en fait, cette scène streetwear 2.0 qui a émergé, on était au tout démarrage. Mmh. Ça veut dire, euh, moi j'étais un ancien fan absolu de Stéphane Ashpool de Pigalle, et je rêvais de faire mon histoire, j'étais un fan de Sean Stussy, de Eric Brunetti, de, de Fucked, toutes ces marques street qui ont une, une histoire, une énergie un peu spécifique, et mmh. je rêvais de faire mon truc. Mmh. Et on est arrivé sur un salon, il y avait des marques très high fashion, très pointues, et nous on avait un propos très différent, on faisait juste des t-shirts et des sweatshirts. Mmh mais avec une histoire. Chaque, sur chaque t-shirt, il y avait des photos. Sur chaque photo, c'était des photos d'artistes qu'on représentait. Sur chaque vente de t-shirt, les artistes étaient commissionnés. Mm -hmm. Et après, on a fait notre marque. On a commencé comme ça. Saison 1, un t-shirt. Saison 2, on a ajouté un sweat. Saison 3, on a ajouté des chemises. Saison 4, un pantalon. Après, des manteaux. Et et ça s'est excité tout seul. C'était pas du tout prévu que ça marche. Avec du recul, je me demande comment... On, en fait, ce que j'aimais dans cette époque-là, maintenant j'ai un peu vieilli, c'est qu'on était fous. C'était. Il n'y avait aucune préméditation, c'était. Pas du tout. En hyper fait, instinctif. Hyper et instinctif. Et le premier salon, je me souviens, on était sur Tranoï. Il y a Antonioli, qui est pour moi une des 10 meilleures boutiques du monde à Milan, qui vient nous acheter la collection et qui nous dit Ah, j'adore votre t shirt je vais les mettre chez Antonioli. Donc, Antonioli, il y a Rico Owens Balenciaga, il y a, il y a tout. Et à l'époque, tu te rends compte de, de c'est énorme quand même pour toi ou es, ah, ou es à, non, es on est choqué, on est choqué, on est, ah, est choqué. Quand il nous dit la store list qu'il a, on est choqué. Et première question qu'il nous dit, quel est le prix wall sell du t-shirt Et là, et, et je <laughs> le regarde et je, et je lui dis one sec. Et je dis Nelson, combien on vend le t-shirt Il me dit je sais pas, je crois que le t-shirt nous coûte 9 euros. Je lui dis ok, j'appelle mon père tout de suite. Je lui dis papa, comment on fait pour vendre un, tiche, un prix wholesale par rapport à un prix retail. Il me dit, tu divises par 2,5 le prix de vente. Putain. Donc on se dit, 55 euros, ok, bon, on va le vendre 21 ou 18, je ne sais plus combien c'était, et on lui dit 18, et on n'avait même pas de line sheet, on n'avait rien. Ah oui, il n'y avait rien. Quoi. Non, non, on notait les commandes sur des feuilles blanches, et on a quand même fait à ce salon 250 000 euros de commandes. C'était fabuleux. Et 16 ans, on fait 250 000 euros, je suis encore à Dauphine. Saison 2, on fait 500 000 euros de commandes. Je suis en troisième année. Saison, saison 4, on fait un million d'euros de commandes. Et je dis à mon père, à papa, j'ai envie d'arrêter Dauphine. Euh, ça sert à rien. On est, on est en track, là. On n'a pas de bureau. On travaille de chez Nelson. On, on fait on, un million d'euros de chiffre d'affaires. On fait un million d'euros de chiffre d'affaires. Il me dit, bah, c'est très, c'est très simple. Tu continues, tu, 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 arrêtes Dauphine, je te coupe les vivres. Il me dit, moi, dans ma famille, mes enfants, ils sont éduqués. Tu sais pas ce qui peut se passer. Donc, euh, je lui dis, OK, bah, je vais faire mon, mon année de césure et mon master 2. Et au fur et à mesure que la boîte a évolué, on est passé de 2 à 15 à 20 employés, alors que j'étais un, un corps étudiant à Dauphine. Ça, c'était, je me souviens, les journées étaient, euh, j'allais en cours le matin, où j'allais généralement de 6 heures, 6 heures du matin à 9 heures au bureau, parce qu'on a, a pris un bureau, mm. et je revenais de 17 heures à 23 heures, jusqu'à que le, le, les cours se terminent. Donc, c'était, c'était une époque, euh, et il y avait une énergie tellement positive. On fait une interview avec Michel Field, on sort dans la rue, je crois Gilda de Kitsune, je vais le voir, je lui dis, je suis fan de, de Kitsune. Euh, et j'avais dans ma voiture un sweat qu'on avait fait euh, opening ceremony par le français. On venait de faire une collab avec opening ceremony. Et il me dit, bah, si tu veux, viens, on fait Kitsune par le français. On fait la collab avec Kitsune, on vend 750 sweats en un jour genre truc de malade après euh, on fait la collab avec Colette on fait que Colette parle français on en vend 500 en, 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 un jour aussi elle fait un rassort d'une autre couleur des trucs euh, c'était euh, c'était euh, c'était la folie et ça m'a problème c'est que j'ai grandi dans cette euphorie et en fait j'étais à cette époque là un très mauvais entrepreneur parce qu'on avait un succès énorme mais on le maîtrisait pas du tout et ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui je suis dans un cycle plus compliqué chez Harmony, et je pense c'est un bien meilleur entrepreneur parce qu'il n'y avait pas de gestion de cash flow, d'analyse de marge. On savait juste que nos parents, nous ont dit, il faut faire une marge de deux en wholesale. Tu fais deux fois 2.5, tu fais cinq en retail. On était majoritairement des wholesalers parce qu'on n'avait pas de boutique, mais on était un e-commerçant. On avait un produit qui marchait bien, notre souhait. Nelson a eu l'idée du souhait, et moi, après, je l'ai marketé. On a raconté les choses, et mais il n'y avait aucune gestion. Aujourd'hui, c'est, chez Harmony, on a un tableau de trésorerie, un tableau de cash. Mm. On sait exactement combien il est notre point mort. Si un mois, on fait pas notre point mort, bah, on est un peu dans la merde. Et bien que j'ai tous ces éléments-là, eh bah, ben, mon business, il est pas aussi florissant qu'il était à l'époque parce qu'aujourd'hui, je suis rentré dans une mode qui me correspond plus. Mm. J'ai, ce qui était fou, c'était à l'époque de BWGH. Je crois que je n'ai jamais porté un produit BWGH. C'est pour ça que plus j'avançais, plus j'avais envie de sortir de ce projet-là. Mm. Pourquoi t'étais que... pas fier de ça? Pourquoi t'étais pas fier de la marque? J'étais très fier de la marque parce ouais. qu'on avait créé un magazine en français, anglais, japonais. On avait fait les collabs, je pense pour notre âge, avec les meilleures marques. On avait fait Colette, on avait fait le bon marché, on avait fait opening Ceremony, oui, et pire, on avait fait Clot, on avait fait tout un énorme programme pour Puma qui a été phénoménal. Hum. Mais c'était très street. Et moi, quand mes copains me connaissent, je m'habille, ils se moquent de moi, mais je m'habille comme un prof de philo et j'aime que les basiques et je parle que de Marcel Lassance et de Joseph. C'est ça mais marques que j'aime et ce que j'ai envie d'être à terme, c'est d'être un uniforme du quotidien, des beaux essentiels et, mmh. et je me reconnaissais pas. Et plus on avançait, plus la, la gestion de deux associés avec des très forts caractères ouais. a été très compliquée. gérer c'est ça. Et, euh, et à l'époque là, quand tu me dis où on fait 500 000, 1 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment vous gérez la trésorerie Parce que le, en, quand tu es en Wall il faut avancer le, le cash. bah on avait la chance. Alors on avait un la chance que la marque était elle avait un taux de sortie énormissime chez les revendeurs. Et donc on imposait ce qu'on voulait à nos revendeurs. Donc tous les revendeurs intégralement payaient 30 d'acompte. Donc ils finançaient notre cycle de cash. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir ces, ces, ne serait-ce que ces 30%. Quoi. Ces 30%, tu les as aujourd'hui si tu es off-white. Ouais. Mais si tu es harmonie, tu les as pas. Si tu es toutes ces marques parisiennes qui sont dans cet univers chic, élégante... Tu les as pas. C'est toi qui avances tout. Je pense pas. Je pense qu'il faut avoir ouais. un fear of God, un off-white ou des marques qui parlent au, à cette, cette euh, case de clients qui achètent facilement aujourd'hui. Moi, j'ai un client beaucoup plus éduqué que j'avais à l'époque. Mmh. Je ne vais pas dire que mon client n'était pas éduqué, mais mon client a évolué entre le client BWGH et le client Harmonie. C'est juste quelqu'un comme moi qui j'avais 24 ans, aujourd'hui j'en ai 29. Et euh, à l'époque, tu me parlais d'Alden, peut-être. C'était mon métier, je savais ce que c'était Alden. Mm. Mais tu demandais à un de mes clients, est-ce que tu connais Alden Est-ce que, oui, est euh, Est que tu connais Fortella Est-ce que tu connais toutes ces mm. marques qui nous excitent moi ouais, on était dans un autre monde. Et puis, il n'y avait pas tous ces blogs qui, euh, qui éduquent, justement, qui font de la exactement, pédagogie. Exactement, ouais. exactement. Euh, on avait un acte d'achat très facile sur le produit BWGH. Aujourd'hui, le mien il est plus dur parce qu'on vend des manteaux en cachemire, on vend un pantalon en flanelle de laine, une ouais. belle chemise, une confection assez exceptionnelle, des bons produits, mm. mais des produits basiques mm. pour certains. Moi, je dis pas qu'ils sont basiques, je dis que c'est des essentiels, travaillés, simples, mais jamais simplistes. Mm. Mais pour des gens qui sont pas mode, je parle à mon meilleur ami, il est euh, avocat, il dit bah ton truc c'est un truc uniclo. Il me dit ça, j'ai envie de le tuer. Mais Comprend... Donc c'est donc mon acte d'achat à l'époque parce que le produit était beaucoup plus visuel et mmh. moi j'ai jamais ça, le... plus, streetwear, aussi, quoi. plus streetwear moins cher, exactement. etc. 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 Et... Et exact... et puis c'était notre époque. Ouais. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de marques sur le marché et de de bien parler, de bien s'exprimer, c'est beaucoup plus dur parce qu'à l'époque je sais pas si on était fondamentalement meilleur. Je pense pas qu'on était meilleur. On était juste. C'est comme si à 20 ans tu ouvrais un restaurant de sushis. Il y a 20 ans, je pense que tu tu faisais un carton aujourd'hui, il y en a à tous les coins de rue. Ouais. Aujourd'hui, tu vas sur iBist, il y a 250 posts par jour, tu vas sur X euh, le fondateur d'Novaity, c'est un de mes amis les plus proches. Et il nous poste souvent des articles sur Harmony, mais le feed, il est énorme. On, mmh. on nous oublie. qu'à l'époque, c'était tu posté, tu étais tu pendant, euh, pendant une semaine quoi. Tu étais lu, étais important. Aujourd'hui, mmh. c'est c'est différent. C'est différent. Dis-moi, à l'époque, euh, raconte-moi les, les, vraiment les dernières années, enfin les, les derniers moments de BWGH. Euh, les derniers moments, c'est la marque avançait à un trend hyper rapide. Je pense qu'on devait faire 200% de croissance par an. Donc on faisait fois x2, x4 fois le CA. Et plus on avançait, et plus il y avait des dissensions d'actionnariat. Et donc euh, j'ai décidé de partir parce que c'était... Euh, la chose qui était devenue mon rêve était devenue très compliqué à gérer, très compliqué à gérer parce que deux associés qui veulent briller, qui ont une qui ont une boîte qui marche très bien, très jeune, et ça crée des égos surdimensionnés. Donc, quand il y a deux deux très gros égaux qui rentrent dans un bureau, c'est compliqué. Je pense avoir été en, en partie le fautif de de cet échec à la fin. Je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais c'est j'avais un associé top et c'est juste quand on est jeune et on veut trop briller. Peut-être je voulais un peu trop briller, mmh. donc euh, donc ça a occasionné des problèmes et je me sentais plus à ma place. Donc mmh. je me suis dit euh, et je pensais pouvoir tout faire tout seul parce que j'avais beaucoup de presse sur moi. Je pensais être extraordinaire. Donc je me suis dit bon, je vais relancer un nouveau truc tout de suite. Ça va partir direct. Et je vais faire un carton monumental et ça c'est pas arrivé. <laughs> ça a été bien, ça a été bien. On a eu tout de suite. Euh, Beaucoup de presse, un succès d'estime, mais le succès commercial, c'était au démarrage, c'était fallait serrer les dents. Ouais. C'est beaucoup de gens me disaient, mais t'aurais pu devenir le Kiss 2.0, le ce qui est d'Or aujourd'hui, bah c'était BWGH. Euh, t'aurais pu devenir le Stussy français. Je sais pas si j'aurais pu devenir ces marques-là, mais on, on était parti vite. Mmh. vite. On était parti vite, on était parti trop vite. Moi, mmh. je pense que tôt ou tard, ça se serait effondré parce que au moindre mauvais virage, quand tu vas aussi vite, tu as une croissance aussi rapide, aussi peu maîtrisée, mm. le moindre mauvais virage, c'est comme si étais dans une voiture à, mm. à 200 km heure et quand tu te prends un mur, ça fait très très mal. Mm. Et, et je pense que même si on sent à la fin, on, on se serait encore bien entendu, moi et Nelson, mm. à la moindre mauvaise achat, mauvaise livraison de l'usine, on avait un, on avait beaucoup de chance, on avait un cul monumental, tout ce qu'on faisait, ça tournait, mais à un moment, ça peut euh, pas durer. Non, ça peut pas durer. Alors qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui, maintenant que tu as un petit peu de bouteille et que tu as du recul Alors, Maintenant que j'ai de bouteille, déjà j'ai un peu plus de bouteille, j'ai mis mon ego complètement de côté. C'est, je suis là, je fais un métier. Mon métier, c'est concevoir des vêtements, le faire avec plaisir et c'est être chef d'une petite entreprise. On a entre 8 et 10 personnes qui travaillent et donc j'ai mais j'ai compris qu'il faut en tout cas, quand on a la double casquette chef d'entreprise et directeur artistique, en tout cas le chef d'entreprise, il doit prendre des décisions drastiques, il doit prendre des décisions rationnelles et en mettant son ego de côté. À l'époque de BWGH et je pense au démarrage d'Harmonie, donc quand je commençais, j'étais très sûr de moi, je prenais des décisions basées à 100% sur mon ego. Je fais ce manteau, ce manteau je ne fais pas de marge dessus mais il est magnifique et je crois que je vais avoir telle pièce, tel truc, c'est une pièce image. Je faisais n'importe quoi juste pour mon ego, pour mon plaisir. Aujourd'hui, les décisions, elles sont beaucoup plus rationnelles. Il faut garder cette part d'irrationnel parce qu'on fait des vêtements et c'est ça qui rend ce métier passionnant. Mais c'est un métier tellement dur, aujourd'hui, j'agis beaucoup plus, euh, j'avance doucement et sereinement. Je ne sais pas si j'avance bien, mais en tout cas, je sais comment j'avance. Donc, l'ego de côté direct. Ben, l'ego, ça a tué une boîte. Ouais. Ça a tué une boîte qui aurait pu devenir énorme et respecter respecter son associé parce que je disais BWGH c'est moi c'est moi mais c'était pas moi s'il était pas là s'il avait pas les contacts de sa famille s'il n'avait pas sa vista parce que il était très fougueux très talentueux aussi d'une autre manière mais il faut laisser de la place à tout le monde ça c'est ce que je dirais à, à plein de gens ouais. revenons sur euh, sur harmonie euh... Tu as déjà pas mal parlé, mais tu as commencé par quoi au début C'était quoi la vision et c'était quoi le propos que tu voulais défendre dès le départ Et est-ce qu'il a, est qu a évolué depuis, depuis en fait, le début L'idée d'Harmonie, c'était au, au tout démarrage, plus on avançait sur BWGH, et vers la fin, je voulais commencer à créer Harmonie, et plus je me rendais compte d'une certaine dépendance d'une marque comme la nôtre via le wholesale. Et on avait quelques signes, des fois, de quelques wholesalers qui étaient mécontents sur nos dates de livraison. Qui était mécontent sur le fait qu'on veuille solder nos produits sur notre site. Bien que je pense qu'il ne faut jamais solder un produit parce que ça dévalorise une marque ou faire des actions commerciales. Et on se disait qu'au moindre moment où la marque perdrait un peu de cette hype, tout le monde allait nous lâcher. Et je me disais, bah, je pense que le nouveau projet que je vais faire, ce sera un projet qui soit totalement indépendant du wholesale ou au maximum indépendant du wholesale pour être le propre mandataire de mon message. Donc je me suis dit. Je vais essayer de faire un projet où je suis très peu dépendant du wholesale, qui ne va représenter que 20 à 30% de mon chiffre d'affaires. Ce sera de l'image. Ce sera de l'image, voilà, c'est cool d'être chez Sense, chez Enclosing, chez Très Bien Shop, et tous ces gens-là. Que BWGH, la chose était inversée. Mmh. Et je ne trouve pas du tout cette relation saine, en fait, parce que je pense que quand on a une marque, on doit maîtriser son message et on ne doit pas être imposé par les codes du marché. Parce qu'être imposé par les codes du marché, ça nous fait prendre des très mauvaises décisions. Ça veut dire, on va présenter une collection alors qu'elle n'est pas parfaitement finie. Mm. Et je pense que j'avais envie d'être vraiment customer centric. Ça veut dire que mon objectif, c'était pas sur BWGH, c'était de plaire à des wholesalers. Là, mon objectif, c'est de plaire à mon client final. C'est mm. très différent. Et c'est, et je me rendais compte aussi que des pièces qu'on vendait très bien sur nous, sur notre e-shop, elles se vendaient pas spécialement bien chez le wholesale mm. et inversement. Et moi je, je trouvais ça je, je trouvais ça un non-sens. Et donc j'avais voulu faire juste un bon pantalon en flanelle bleu marine, un beau t-shirt en jersey mercerisé blanc ou bleu marine, un pull en jauge 18, un pull en, en cachemire 100% cachemire jauge 7. Mm. Et un wholesaler va peut-être te dire ton pull est trop basique, mais il n'est pas trop basique, c'est juste le le pull que tu as envie de porter tous les jours. Mm. Je comprends que quand tu es sur un portant dans une boutique, tu dois te différencier. Mm mais moi en tant qu'acheteur je voulais me faire plaisir à moi et moi c'est ma démarche bah, j'ai tous les jours un pull bleu marine et des converses et un pantalon en laine et mohair où je voulais me faire investir qui me correspond et je trouvais que le wholesale si c'est ton business model ça t'impose une double marge qui, qui surprise ton produit et en fait l'idée de la marque a été venue quand je discutais avec pas mal de, de potes qui étaient soit chez Céline, soit chez Givenchy euh, qui était développeur produit et il me disait bah, on développe des produits qu'on peut pas s'acheter il me disait mais imagine tu fais la tu fais la meilleure marque du monde enfin aujourd'hui c'est pas du tout la meilleure marque du monde mais tu peux te, tu peux te payer les produits que tu développes le faire du vrai luxe accessible donc c'était ça le but c'était tous les gens de la mode frustrés qui allaient chez COS qui allaient dans ces maisons là leur faire juste un bon produit mmh. sans aucune prétention sans spéciale coulitude juste un truc bien ouais. moi aujourd'hui c'est mon acte d'achat je veux juste un truc bien Très bien. Et ça, ce, ce, ce postulat de départ, il n'a pas changé. Aujourd'hui, non. La, la ligne directrice, elle n'a pas du tout évolué. Non, la mission, elle est, elle est toujours la même. Mm. La seule chose qui a évolué au fur et à mesure du temps, c'est, euh, je pense que, euh, au démarrage, j'étais à la course à vouloir faire une marque un peu mode. Donc, euh, et plus j'avance, plus j'ai envie vraiment d'être anti-mode et, et d'être juste. Euh, des intemporels du quotidien et des, des très belles choses mm. juste simples parce que je pense que quand tu te bats contre les gens de la mode tu peux devenir aussi vite très cool que dépasser et moi le but c'est que cette marque si euh, j'ai pas de quack, elle puisse être intergénérationnelle et durer longtemps et durer longtemps c'est juste euh, il faut juste qu'elle soit je chéris cet homme euh, radicalement normal c'est juste des choses normales et bien ouais. quoi je veux pas qu'on soit cool parce que si on est cool, on va avoir un moment d'excitation maximale mmh. sur nous. Et après, on va perdre ce truc-là. Et je pense pas être un mec très cool. Donc ça sert à rien que je m'invente qui je suis pas. Je suis un mmh. mec sérieux. Je vais au bureau de 9h à 20h tous les ouais, jours. t'es pas, pas de la hype. Ouais. Ah, pas du tout. Mmh. Ce secteur-là ne m'excite pas du tout. Mmh. La majorité de mes amis ne sont pas de ce secteur-là. J'ai juste mmh. des gens du secteur qui sont devenus des bons potes, mais c'est des potes mmh. de l'industrie. Mais ce secteur-là, non. Moi, j'aime bien dire, je sais pas si, c'est pas bien que je le dise, mais moi, je fais partie du, du Garmin district. Je suis quelqu'un, je fais des produits, je fais pas de la mode. Je me sens pas quelqu'un de la mode. Je me sens quelqu'un qui fait des vêtements. Je suis pas, ce système de la mode, c'est mmh. pas trop mon truc, en fait. Plusieurs questions qui me viennent. Euh, comment on, on reste à la mode? Enfin, peut-être pas la, le, le bon terme, mais comment on reste longtemps et comment on arrive à se renouveler? quand on est sur ce créneau de dire euh, je veux durer sur le long terme. Bah, durer, la question, je pense, il faut juste être euh, vraiment fidèle à son ADN et à son énergie. Mmh. Ne jamais changer. Ça veut dire que si chez Harmonie j'aime le bleu marine et j'aime la flanelle de laine, bah, ce sera toujours ça. Si j'aime cet univers que moi me semble intéressant, ultra minimal, ultra architectural, parisien, simple. Euh, ce, cet homme un peu Midnight in Paris de Woody Allen que moi j'aime ou bah, ce sera toujours ça faut pas passer du coq à l'âne avoir mmh. sa vision mmh. et, et tracer tout droit sans jamais aller à gauche sans jamais aller à droite mais c'est pas, pas ennuyant quand es euh, directeur artistique quand quand es créatif designer styliste t'as pas envie de de, de, de nouveautés bien sûr tu peux avoir des nouveautés ouais. à une condition c'est avoir toujours ta même identité ça veut, dire, ça veut dire, bien sûr, toutes les saisons, il faut faire des nouveautés, il faut raconter une nouvelle histoire. Moi, j'aime dire que ce que j'aime dans ce métier-là, c'est qu'on est des conteurs d'histoire. Chaque saison, j'ai une histoire. saison été, elle était inspirée par le film « Plein soleil mm. ». Euh, la saison hiver, elle était inspirée par un roman de Jack Kerouac, ainsi de suite. Et, et, et le but de faire des vêtements, c'est juste raconter cette histoire d'une manière visuelle et de la... Et, et de retranscrire en faisant des vêtements. Mm. Mais il faut avoir une identité précise. Je pense que tous les gens qu'on admire et que moi j'admire du moins, ils avaient un, une ligne et ils ont jamais bougé. Quand on parle de Helmut Lang, c'est bah, parce que ça n'a pas bougé. Quand on parle de Gilles Sander, ça n'a pas bougé. Quand on parle de Phoebe Philo chez Céline, ça n'a pas bougé. Quand on parle de, je pense, je suis un fan absolu de Marcel Lassance ou de Joseph, Bah, je ne veux pas qu'on soit cette idée de. On va manger dans un restaurant et il y, y a un plat italien, un plat japonais, un plat indien. Après il y a un couscous, et après y a un plat mexicain. Moi j'aime juste un truc. Mm. Si t'aimes ce truc-là, viens chez moi. Si t'aimes pas, va chez un autre et je t'en veux pas. Mm. Moi j'ai mon truc. Vous pouvez dire que c'est ennuyeux. Mes mannequins, ils font toujours la même tête, mais ils font la tête que j'aime Est-ce que tu tu t'entoures, enfin euh, de, de qui tu t'entoures déjà euh, sur euh, la partie euh création, euh, direction artistique, euh, quand tu fais tes photos, c est, c est, ça, tout sort de ton cerveau ou tu t'accompagnes, enfin, tu t'accompagnes euh, de gens? Alors, euh, au niveau global sur l'entreprise, j'ai, mmh. je travaille toujours avec un développeur produit qui, en gros, exécute mes idées et les suit de A jusqu'à Z. Moi, je donne l'input global et lui, il fait la relation usine mmh. pour dire, euh, moi, je choisis tel lénage chez Vital et Barberis ou chez Piacenza, un grain de poudre ou n'importe quoi. Mmh. Je lui dis, je choisis, je choisis ma gamme de couleurs, je choisis ma gamme de fils sur les pulls, je lui dis, je veux ça sur telle forme, je veux toujours la même modéliste japonaise avec qui je travaille depuis le début. Donc ça, c'est pour le développement des collections. Et après, j'ai une petite équipe où j'ai un responsable e-commerce, un responsable de production, mm. un graphiste qui est là, un responsable financier, mm. et après des stagiaires qui tournent. Mm. Et sinon, point de vue, je travaille toujours avec le même photographe depuis le démarrage, parce qu'on a une bonne relation et je trouve qu'il a une bonne main. Et je travaille toujours avec le même styliste photo aussi, qui était mon ancien stagiaire et que j'avais mis au directeur de collection. Et je pense qu'il a une très bonne main aussi. Et il comprend exactement mes goûts. Et après, je fais intervenir parfois des consultants extérieurs pour euh, pour voir si mes collections elles sont justes ou si mon image elle est révérente. Enfin, elle est elle est toujours en place. Parce qu'après, c'est sûr que tu peux vite devenir ennuyeux, comme tu l'as dit, mmh. et c'est bien d'avoir quelques personnes qui viennent challenger ça. Mmh. Mais sinon, c'est non. Je pense qu'une marque, elle doit sticker à son à son DA, et donc c'est mes idées qui sont retranscrites. Mmh. Est-ce qu'il y a des gens qui, en ce moment-là, aujourd'hui où on se parle, qui j'aime pas le mot, qui t'impressionne, mais en tout cas qui te, tu trouves que c'est intéressant. Leur propos est intéressant. Est-ce que tu trouves qu'il y a des marques en ce moment mmh. qui le propos est intéressant? Tu parles du sur le produit, sur la com, sur, sur quoi tout, Dans l'industrie de la mode globalement, qu'est-ce qui t'impressionne vraiment euh, en ce moment Tu trouves que le modèle économique est vraiment euh, ouf Modèle euh, économique. La com euh, est incroyable. Euh, modèle économique. Le écon... produit est fou quoi. Modèle économique. Euh, en fait, au démarrage de BWGA, j'ai une personne qui m'a beaucoup soutenu, c'est Ronny Fieg, le fondateur de Kiss. Mm. Je pense que Kiss est en train de devenir euh, concurrent numéro un de Suprême et c'est en train de devenir une machine de guerre donc les, le produit Kiss n'est pas un produit adapté à ce que moi j'aime mmh. mais le business model est, est fabuleux dès qu'il sort un produit il sold out 10 000 pièces en un jour il a créé une communauté il fait des collabs avec euh, il passe de Versace à Tommy Hilfiger à Mastermind à New Balance à Adidas je sais pas comment il fait et le mec il est en constante évolution je je connais pas euh, pour être Kiss honnête est streetwear ouais. américain euh, ouais. très fort j'ai euh, en fait les seuls gens dans cette scène-là qui sont devenus mes amis proches, il y a Ronnie dont je te parlais, il y a Teddy Santis, le fondateur Léon d'Or, c'est une marque streetwear aussi mmh. très ça, très cali. Ouais. Je suis assez admiratif que de ce que Teddy fait parce que il a réussi à créer une marque très très forte visuellement, des bons produits et d'un point de vue aussi entrepreneurial, j'aime beaucoup ce que fait euh, Guillaume Philibert de Feeling Pieces parce que c'est un de mes amis de toujours et je vois qu'il a commencé de rien quand moi j'ai commencé BWGH de rien et aujourd'hui il a fait une boîte qui fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est en train de devenir un des leaders sur les sneakers, sneakers de luxe après sur le marché français j'ai beaucoup d'admiration pour en tout cas pour la partie tech pour la partie pour toutes ces marques, bonne gueule, asphalte, tous ces trucs-là, c'est pas du tout des trucs pour moi en mmh. termes de produits, mais de révolutionner la consommation. Je trouve ça assez incroyable en fait, parce que toutes les marques classiques qui font du wholesale, qui font du retail, on suit tous un schéma prédéterminé. Eux n'ont pas du tout suivi ce schéma-là. Mmh. Je trouve ça assez incroyable. J'ai l'impression que tous les gens dans le secteur sont en train de parler de cette marque asphalte, ouais. parce que c'est ils font des quantités de malades mentales et on voit nous à quel point c'est dur de faire des quantités, à quel point c'est dur de vendre son produit, de le sold out immédiatement euh, je trouve ça assez balèze après créativement c'est pas du tout ce qui m'intéresse mais... mais quoi que c'est bien quand même hein. enfin, euh, moi je, je l'interviewais euh, ouais, William ouais, est... et euh, je sais qu'il écoute le podcast donc euh, salut, salut euh, William mais son produit est vachement bien, moi je, je suis vraiment impressionné, mon frère est devenu consommateur après avoir écouté le podcast ouais. le pull il est trop cool le jean, il est trop bien. Je suis vraiment. Non, en fait, je parle du ton. Ouais. Du ah, ton le de la le, le de ton de la de communication n'est pas ce que moi, ce qui m'excite. Et les photos non plus. Mais je trouve que leur business model est révolutionnaire. Et, ouais, et c'est brillant ce qu'ils ont fait. Je suis assez admiratif. Franchement, mmh. ils ont fait un super truc. Mmh. Après, moi, je, je me considère un peu à, à mi-chemin avec ces gens et avec des gens de la vraie mode parce que j'aime quand même la mode, j'aime le produit. Ouais. Pour moi, c'est eux, c'est plus des gens très smart qui font des marques. C'est du produit. Voilà, c'est du produit. Ce n'est pas des maisons avec des identités, avec mmh. des labels. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. je vois très dire. bien ce que tu veux dire. Mais eux, j'ai un respect euh, c'est total. Mmh. Ouais. Après, il euh, après, y a d'autres marques où, créativement, euh, Martine Rose, je trouve que ça, ça déchire. Mmh. Mais c'est d'autres propos. C'est d'autres propos. Ouais. Et toi, est-ce que ça t'effleure l'esprit de changer de modèle économique, de sortir du wholesale et de passer on en vente directe uniquement On est en train de s'affranchir au maximum du wholesale. Ouais. Je pense en fait que à l'époque de BWGH, il fallait avoir 250 wholesalers, avoir un business basé sur le wholesale, un bon e-commerce, peut-être quelques retail. Aujourd'hui, je pense que le business il est inversé. Il faut avoir 20 bons wholesalers qui sont des porte-paroles. Il faut être chez Mr. Porter, il faut être sur Sense, il faut être chez Enclosing, il faut être sur Okini, il faut être chez Très Bien Shop, enfin, on, les, les trucs un peu cool, mm. avec Net à Porter, avec Matches Fashion. Et en fait, il faut quasi être un direct to consumer brand mm. et avec très peu de revendeurs qui sont juste des, des miroirs de coolitude où on fait pas de marge dessus. Et ne pas surpricer son produit en, en le disant bah, mon business model, il va être lié au wholesale, donc je vais le vendre cher. En tout cas, j'ai l'impression, enfin, moi, mon acte d'achat, il est soit j'achète des produits chez Uniqlo, soit j'achète des produits chez Prada. Mais l'entre-deux surpricer, je pense qu'il est un peu en train de se tasser, ce segment-là. Mmh. Et il faut juste avoir un bon produit au bon prix, sans jamais euh, abuser sur les marges. Et s'affranchir du wholesale un maximum, c'est surtout pour avoir le temps de créer ce produit-là. Parce que le vrai luxe, c'est le fait de prendre le temps de faire les choses. Et je pense que quand on est dans une démarche, il faut livrer son client en décembre pour euh, spring-summer. Il faut, il faut développer sa collection et d'être dans une course perpétuelle. Et surtout la mienne, j'estime pas que je suis pas dans cette course-là parce que je veux faire des essentiels. Et donc, mon t-shirt en jersey mercerisé, ce sera toute la vie blanc, noir, bleu marine et gris chiné. C'est tout. Ça sert à rien. j'en ferai jamais un jaune. Mm. Donc, euh, je pense qu'il faut un peu sortir de ce business-là. Et, et j'ai l'impression que toutes les success stories entrepreneuriales, les vraies dernières success stories, mm. les Everlane, les, euh, on parlait d'asphalte, on parlait aussi de, des business directs. Ils mm. s'adressent directement à quelqu'un. Et l'avantage la, qu'on ces marques-là, c'est que c'est sûr, c'est compliqué d'avoir une communauté. Mais ils passent leur temps sur la création de valeur de leur marque. Ils ne passent pas leur temps sur discuter avec un partenaire commercial. Mm -hmm. J'ai l'impression que leur temps, c'est création de valeur de ta marque. Est my customer et. Customer centric à fond. Ouais, ouais. My brand. My, ma marque. Et c'est tout. Ouais, clair. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ma communauté. T'es euh, passé par les levées de fonds. Ouais. Euh... Sur, sur Harmonie, on a fait une levée de fonds de 500 000 euros il y a deux ans où j'ai cédé 15% du capital. Et ça nous a permis, on était très sous-capitalisé parce qu'au début, je te disais, on faisait des choix basés sur l'ego et sur l'artistique. Donc, on était, on avait fait deux premières années, on était toujours pas rentable. Aujourd'hui, l'entreprise commence à être rentable et on est beaucoup plus précautionneux. Mais on avait besoin de, sans carburant, on peut pas avancer. Donc, heureusement qu'on a eu ça pour nous aider, pour nous structurer un petit peu. Et voilà. C'est si obligé de le faire, c était, c était, euh, Moi, ouais. de toute façon. Moi, c'était essentiel pour la survie de mon business, en tout cas. C'était essentiel pour la survie de mon business et c'était, euh, c'était, ça me permettait d'acquérir des ressources, de recruter des personnes de qualité. Mmh. Et ça, c'était essentiel parce que l'erreur de BWGH, c'est que je croyais que je pouvais tout faire tout seul. Je pense que tu peux pas faire tout faire. Je suis encore un peu trop contrôle fric et je comprends que je puisse être chiant ouais. quand je suis derrière mes équipes, ouais. mais il faut avoir un noyau de quelques personnes avec des compétences diamétralement opposées et il faut pouvoir les payer ces gens-là, mm. c'est tout. Parce que ce que je trouve dur dans ce métier, c'est que ça nécessite des compétences diamétralement opposées. Il faut être bon sur la logistique, sur la pro, sur la créativité, sur le produit, sur le prix, sur la com, sur la il y a mille trucs sur la partie financière. Donc, et si tu peux pas te payer quatre, cinq personnes un peu clés qui agissent sur des specs différents, pour bon, moi, tu perds très vite ton temps. Parce que si t'as pas quelqu'un qui gère bien ton cash, tu peux pas, tu peux pas allouer ton cash pour acheter des produits dans les temps. Si t'as pas le bon communicant, bah, as le bon produit, mais personne le sait. Si t'as pas le bon responsable produit ou le mec qui a un bon œil, bah, ton produit, il a chier. Et, et comment et, tu les trouves, ces gens? Bah, c'est beaucoup de bouche à oreille et il y a des cabinets de recrutement et il mmh. y a LinkedIn et il faut juste, euh, tu tapes euh, développeur produit APC et tu, <laughs> tu les appelles un par un, c'est tout. <laughs> Mais en tout cas, non, il faut trouver des gens d'expérience de, et qui fuitent avec la boîte. Aujourd'hui, on est une boîte où on n'est pas une grosse boîte. Donc, il faut des, faut des guerriers, quoi. Parce mmh. que sortir un produit chez Harmony, c'est bien plus compliqué que de le sortir dans une marque qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce qu'il faut se battre avec l'usine, parce qu'on ah, ne produit que 250 à la couleur. Euh, on ne passe pas nos commandes dans les temps pour être livré dans les temps euh, que nous on va souhaiter. Mmh. Tout est plus compliqué. Mmh. Donc il faut des gens qui veulent se bagarrer. Moi, je pense que le critère essentiel, c'est ça c'est qu'ils veulent se bagarrer, qu'ils ont surtout la tête bien faite. Enfin, moi, c'est ça mes, mes critères. Mmh. Et. Euh... C'est quoi la culture de la boîte, la culture d'entreprise? C'est très entrepreneurial, d'après ce que je comprends. Euh... Je cherche des gens qui ont, qui valorisent l'entrepreneuriat. Je veux pas qu'on soit dans ce mécanisme de employeur-employé avec, avec les gens que j'ai. C'est qu'ils valorisent ça et qu'ils se rendent compte à quel point c'est dur de s'en sortir quand on est une aussi petite entreprise que la nôtre et que chaque euro déboursé par Harmonie, c'est comme si c'était leur propre euro. C'est ce que je leur dis tout le temps. Parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement dur, il euh, faut pas, faut pas merder, faut mmh. pas merder. Donc euh, j'espère qu'ils valorisent ça, qu'ils valorisent l'effort. J'aime bien m'entourer de gens qui ont fait du sport à haut niveau quand ils étaient jeunes parce qu'ils ont valorisé l'effort. Mmh. Et moi, j'ai grandi dans cette, euh, ma culture familiale, c'est mes parents sont venus de rien, ils ont fait des choses sympas, mais la valorisation de l'effort, elle est permanente. Est, et ça, c'est vraiment essentiel. Mmh. C'est vraiment essentiel. Et comment tu l'insultes ça au quotidien Ça, tu l'as dès le départ, ça, tu l'as pas, quoi Bah, c'est. Ouais, je pense que c'est ça. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est pour ça généralement, c'est. Je sens très vite les gens avec qui je vais bien m'entendre mm. et les gens avec qui je vais pas m'entendre. Tu vois, là, tu, tu es venu, tu as vu Gaëtan qui est là. Mm. Bah, Gaëtan, il, 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 fait des, il fait des journées, mm. il fait des longues journées. Ouais. C'est un mec, qui, je, ça se voit qu'il valorise l'effort, il a fait une grande école, il est smart, il sait c'est quoi travailler. Et moi, je pense. J'ai plein de défauts, euh, je suis colérique, je suis... mais je sais c'est quoi j'ai je sais c'est quoi travailler mm. et je pense que c'est très important. Je pense... Enfin les personnes avec qui je me suis toujours bien entendu dans la boîte, c'était toujours des gens qui valorisaient ça et les gens qui valorisaient pas ça, ils sont ils sont pas restés très longtemps. Mm. Ça ressemble à quoi tes journées à toi Ça ressemble à quoi C'est généralement j'arrive à 9h. Je c'est 9h heures, 20h heures à peu près tous les jours. Et c'est cinq à six jours sur 7 Et j'essaye de décomposer. Et ce qui est dur, en fait, c'est c'est de d'agir à la fois sur la partie produit artistique et la partie business. C'est-à-dire, mmh. ce matin, euh, on a travaillé avec Gaëtan, par exemple, sur la refonte du site. Cet après-midi, ce midi, j'ai déjeuné avec un fournisseur qui fabrique tous nos toutes nos étiquettes. Là, je suis en rendez-vous avec toi. Après, je fais passer un entretien. Et après, je dois contrôler des prototypes. Donc, c'est, je fais le grand écart dans la journée. Mm. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça, tant qu'on n'arrive pas à se structurer davantage, que la marque reste un peu petite. C'est parce que quand je discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des succès dans le prêt-à-porter, ils me disent, ne fais qu'une seule chose et le fais très bien. Et aujourd'hui, je pense que je vais un peu trop de A jusqu'à Z. Si je pouvais aller déjà de A jusqu'à E dans mon scope of work, mm. Bah, je serais beaucoup plus percutant mon produit, serait encore plus percutant mon image, elle serait plus percutante. C'est pour ça là, on est en train de chercher un DG qui puisse m'épauler, qui gère plus la partie euh, entreprise et moi je serai le garant de la partie marque. Ça c'est le, le gros recrutement qu'on est en train de faire, mm. ça. Parce que euh, c'est compliqué de tout faire et je pense qu'il faut faire peu de choses mais les faire parfaitement. J'ai voulu au démarrage euh, faire des grandes collections. Aujourd'hui nos collections elles sont plus resserrées. Parce qu'on se rend compte que quand on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses pas très bien. Aujourd'hui, on essaie de faire peu de choses, mais le faire excellemment bien. Je ne sais pas si on le fait excellemment bien. En tout cas, on le fait mieux que quand on faisait beaucoup de choses. Donc là, on va essayer de. Mon quotidien, il est vraiment. C'est le grand écart. Un... Un peu trop le grand écart. Comment tu gères tes moments de doute Comment Je t'en as. Déjà, j'imagine ah ouais. que comme tout entrepreneur, tu en as, mais ouais, un jour sur deux. Ouais. Je pense que tout entrepreneur, c'est un jour, c'est l'euphorie. Waouh, ouais. wow, j'ai fait ça, c'est génial. J'ai eu un, j'ai eu une bonne journée, un bon chiffre d'affaires. Je suis en train de faire une collab avec telle marque, ouais. ça se passe bien. Le développement produit, ça tient. Et après, boum, bah, j'ai un problème avec un fournisseur. Je reçois pas mon produit. Je reçois une mise en demeure. Et là, ça va pas du tout. Je pense que j'ai la chance d'avoir deux, trois mentors dans le secteur. Et dès que j'ai des moments de doute, J'essaye d'avoir, comme je t'ai dit au démarrage, je faisais un peu trop le grand écart. Je demandais beaucoup d'avis à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai resserré vraiment mon entourage privilégié auquel je fais énormément confiance. Et dès que j'ai une question de doute, euh, je vais les voir et je leur en parle. Et j'essaye de, tu vois, à l'époque, c'était basé beaucoup sur mes émotions, quand je te disais, d'égo irrationnel. Maintenant, j'essaie je, de poser le pour et le contre, demander à deux, trois grands patrons du secteur qui m'aiment bien. Qu'est-ce que tu aurais fait dans ma situation compte tenu de la taille de mon entreprise, de mon cash flow actuel, de mon état de dette, de mon état de créance Qu'est-ce que tu ferais Et j'écoute. Je note et si deux sur trois ils disent la même chose, bah, bah, je vais écouter. Mmh. Comment tu vises à sélectionner ces gens, ces mentors C'est vraiment venu de façon organique. Je pense que vu qu'il y a eu pas mal de presse sur moi et, et euh, je suis quelqu'un assez... En, Enfin, les gens ont de l'empathie pour moi, j'ai l'impression. Bah, j'ai réussi à me familiariser avec des gens du secteur qui m'aiment bien et dès que j'ai une question, bah, je les appelle. Je les appelle ou je déjeune avec eux ou je dîne avec eux. Mmh. Ils décrochent. Ouais, franchement, ouais. On peut revenir sur la, sur la, la production. Euh, si tu avais un, une haut 2 euh, des best practices à avoir euh, sur la partie production, c'est un, un sujet que les, euh, que les jeunes entrepreneurs connaissent. Euh, euh, Souvent issus de la création de, avec un background créatif, ont, ont du mal à, à, à comprendre, à gérer. Comment, comment, comment qu'est-ce que tu leur dirais Alors, je pense ne pas bien gérer la production, ouais. mais en fait, je pense que la mise au point. Il y a deux choses très différentes. Il y a la mise au point produit. Hum. Ça, je pense bien à la gérer parce que je suis très méticuleux. Et il y a la partie production qui est liée à, simplement, de façon pure et dure, de l'ordonnancement et de l'organisation. Ouais. Ça veut dire. Tu veux livrer ton client en décembre, tu passes ta commande à l'usine le 15 juillet, mmh. tu as ta confirmation le 15 août, tes matières, c'est deux mois. Mmh. L'usine, sachant qu'elle est fermée tout août, elle va commencer en septembre, elle achète tes matières deux mois et après, tu as deux mois de confection. C'est juste un, simplement un tableau d'ordonnancement, il faut être très méticuleux. Mais moi, je suis l'opposé de quelqu'un d'organisé. Donc c'est pour ça que je livre souvent mes clients en retard. Mmh. Mais je pense que l'élément le plus clé. En tout cas, quand on fait du wholesale, du moins, parce que quand on fait du retail et du direct-to-consumer, on peut un peu s'affranchir de ça, parce que livrer un t-shirt en lin le 15 décembre, ça n'a pas de sens parce qu'on ne va pas le mettre avant le 15 avril. Mm. Mais je veux dire, la production pure et dure, c'est juste de l'organisation, mais de l'organisation draconienne. Mm. C'est à quelle date j'achète mes matières, à quelle date je reçois mon PPS, pré-production sample, à quelle date j'envoie le go-production, quelle date j'envoie mon 30% d'acompte, ensuite... Est-ce que je suis à paiement avant livraison ou le solde à 30 ou 60 mmh. jours? Le temps que ça aille chez mon logisticien, que ce soit interfacé dans mon logiciel de mon SAP, FastMac, Sage, tu reçois tes pièces pour les shooter, tu les shootes, elles sont sur ton site. Mais c'est une vraie décomposition de plein de petites choses très parcellaires. Mmh. Et là-dedans, je suis pas le meilleur, mais je sais ce qu'il faut faire, mais je le fais pas. <laughs> mais je pense qu'il faut, c'est une organisation. J'ai un de mes mentors qui, qui était un très grand faiseur de production, et il me disait, je n'achète pas un produit, j'achète un délai. C'est la clé de la production, c'est acheter un délai. Parce que si tu veux livrer quelqu'un et tu n'es plus dans le juste à temps, ton produit sert à rien. C'est la condition nécessaire, c'est qu'il soit parfaitement mis au point. Mais ça, ce n'est pas de la partie production, c'est mis au point par le studio, mmh. c'est-à-dire le développeur produit. Si la longueur de manche est 66, bah c'est 66. C'est tout. Nous, tous nos manteaux, ils font 66, longueur milieu d'eau d'un manteau classique, c'est 90, 95, 100 pour mmh. homme Voilà, je peux te le dire parce qu'on est en train de faire un fitting sur des manteaux. Si le manteau, il sort et au lieu de faire 95, il fait 82, le développeur, on va pas être copain. Mais mmh. le responsable du, le responsable production, son rôle, c'est si c'est 15 décembre, ça doit être 15 décembre. Mmh. Et on sait tous que si l'usine te dit 15 décembre, ce sera 15 janvier en théorie. Mmh. Donc il faut vraiment, c'est, le mot-clé, c'est l'anticipation, je pense. Mmh. Comment tu te nourris Tu parles de nourriture Non non, comment tu te nourris euh, artistiquement, artistiquement, artistiquement ouais. euh, Comment je me nourris euh, artistiquement J'essaie de parler de nourriture après si tu veux. Parce que j'adore manger. Donc d pas... <laughs> euh, comment je me nourris artistiquement J'essaie de m'entourer de gens qui sont que des soleils pour moi ou qui sont que stimulants intellectuellement. C'est la chose. J'essaie d'avoir un cercle très resserré. Mais de gens que je trouve en majorité bien plus intelligents que moi ou bien plus cultivés ou bien plus intéressants. Parce que c'est quand tu discutes avec, par exemple, mon meilleur ami que j'estime un entrepreneur extraordinaire. Quand je vois Romain, je suis à côté de lui, je l'écoute. Je me dis, bah, il m'a expliqué comment à la base, je savais pas faire un tableau de flux de trésorerie. Je savais pas analyser parfaitement mon cash. Bah, je vais dans son bureau une heure. Il m'explique. Je le regarde faire. Eh ben, il m'a expliqué un truc. Et lui, il me dit, bah, moi, j'ai, j'ai fait HEC, je suis smart, mais j'ai aucun goût. Explique-moi comment faire une DA précise. Je lui explique. Et je pense que c'est juste, c'est l'échange. Mm. C'est l'échange. Et euh, ce que je demande aux gens aussi, c'est d'être curieux. Moi, voilà, je suis curieux. Ça veut dire, tu as voulu faire ton interview. Je me suis, je me suis documenté sur toi. J'ai regardé ce que tu as fait. J'ai, et je pense que c'est important d'être curieux, en fait. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça, c'est la curiosité l'envie d'apprendre et euh, s'entourer de personnes qui puissent, euh, qui puissent être intéressantes et stimulantes. C'est vraiment ça. Ça veut mmh. dire, euh, je rencontre, euh, je ne sais pas, euh, je suis devenu assez ami avec Étienne Dereux, qui est un super designer. Bah, mmh. Quand je discute avec Étienne, on fait des ping-pong, des discussions. Mmh. Créativement, il est génial. Mmh. bah Ça m'élève, c'est simplement ça. Très bien. Et c'est quoi qui te drive, au fond c'est ce métier-là, j'en ai toujours rêvé. Et je pense qu'avec mon cursus, j'aurais pu faire plein de choses bien plus rémunératrices. Mais c'est, j'ai un rêve au fond de moi et je... tant que j'y arriverai pas, je continuerai. Je ne sais pas si j'arriverai à ce rêve-là, mais je rêve de quand je ferme les yeux. Je rêve de Ralph Lauren et Ricky Lauren dans leur ranch dans le Colorado. Je rêve de Giorgio Armani et d'un café Armani c'est ces business designers qui ont je rêve de Calvin Klein c'est ce monde là qui me passionne ça je, je avoir son esthétisme le dupliquer pas que sur du vêtement de faire un café harmonie un jour de faire un hôtel j'en suis à un millième on est encore un ersatz mais c'est c'est vraiment tout le monde tous mes amis c'est c'est un peu pathétique il y a des gens qui sont fans de Johnny Hallyday moi je suis fan de Ralph Lauren c il y a que Ralph Lauren dans ma tête et c'est reproduire ça avec harmonie. C'est le faire à ma manière. C'est mmh. ça veut dire euh, moi je suis un juif marocain. Euh, si un jour je dois faire un café harmonie, bah il y aura la nourriture de ma mère marocaine. C'est ça. Il y aura euh, mon univers à moi. Mais c'est le dupliquer sur plein de choses. Et c'est pas seulement être un designer. C'est un business designer. C'est être... plein de choses comme ça. Mmh. Parce que quand, je sais pas, quand tu penses à Ralph Lauren, bah tu penses à, mmh. à plein de choses. À... Moi, toute sa vie, ça évoque des choses fabuleuses. Et j'aimerais bien un jour que les gens disent que ah, sa vie à lui, elle était fabuleuse. Mmh. C'est vraiment, j'essaie de faire mon rêve au quotidien. Et, et ce métier est dur parce qu'un jour sur deux, ce rêve, c'est un cauchemar. <laughs> parce que c'est un métier très, très, très compliqué. Mmh. Mais c'est un métier passionnant. Et tu, tu, tu parles d'un terme business designer euh... J'imagine que ça t'a joué des tours, euh, parce que tu sais, aujourd'hui, euh, on te met dans des cases, soit t'es businessman, soit t'es designer. Mais Exactement. business designer, comment tu, comment tu le vis tous les jours? Bah, le problème du business designer, c'est je pense qu'il pourra très difficilement être directeur artistique d'une autre maison. Ouais. Parce que tu penses à Johnny Johansson, chez Acne, c'est un génie le mec. Mais est-ce que tu crois qu'un jour il le mettrait d'H chez Céline ou d'une maison? Jamais. Il se dit, c'est juste, c'est un entrepreneur qui a très bon goût. Moi, je pense être un entrepreneur qui n'est pas un trop mauvais goût, mais est-ce que pour la tête des gens, je suis un DA qui puisse être DA d'une vraie maison Je ne sais pas. Et est-ce que je suis juste un entrepreneur qui pourrait vendre des boulons Et non, je suis entre deux. Donc, j'ai intérêt à que mon business y marche, parce que je suis un peu esclave de mon business, mais j'aime ça plus que tout au monde. Donc, euh... et si ça ne marche pas, ton business Je trouverai un plan B. En théorie, je suis des brouillards. <laughs> Il y a toujours un as dans ma manche, mais je... mais si ça ne marche pas, c'est compliqué. Parce que je sais qu'aujourd'hui, vu que j'ai un profil vraiment 360, ça veut dire demain tu, tu me fais rentrer dans une maison, je ne sais pas ce que je pourrais être parce que je ne suis pas directeur financier, je ne suis pas directeur marketing, je, suis pas je peux être responsable produit, je peux être, mais je suis un peu tout parce que je l'ai été à fortiori. cest à dire mm -hmm. que je maîtrise tous les sujets sans être un expert peut-être du sujet pour quelqu'un. Parce que tu te dis, tu vas prendre un DA, s'il sort de la Saint-Martin, bah le mec il est plus balèze que moi. Moi, je... Peut-être. Et tu vas prendre un mec qui fait du contrôle de gestion. Il était chez Ernst Young, peut-être. Mais moi, j'ai une lecture. Mon avantage, c'est que j'ai une lecture 360. Et j'ai fait tellement d'erreurs que je pense que maintenant, je maîtrise un petit peu les trucs qu'il faut pas faire. Mmh. Si demain, tu, tu, tu repartais à, à zéro, d'une page blanche, mmh. euh, je te mets en plus comme, comme difficulté que tu n'as pas d'argent. Enfin, ouais. tu, tu repars avec 5, 5, 5 000 ou 10 000 balles comme, comme ouais. au tout début tu ferais quoi je ferais une marque mono-produit et être le meilleur sur un seul produit parce que, et là peut-être je ferais du wholesale parce que le wholesale c'est le business model qui coûte le moins cher mm. et je ferais genre la meilleure marque de maillot de bain deux formes et je fais les mêmes toute la vie et au moins frais de développement parce que moi mes collections elles me coûtent des sommes abyssales en termes de développement parce que de vouloir faire des manteaux, des vestes, des pantalons, des t-shirts, des chemises, je fais un monoproduit et je tâcherai de faire dans l'inconscient collectif qu'on est le meilleur du monde sur ce produit. Et je commencerai, en fait quand j'ai commencé à Harmonie, je sortais d'une expérience qui avait beaucoup marché, et donc tout de suite j'ai recruté à tour de bras que BWGH pendant deux ans on était deux à pas se payer. Et là j'ai pris des mecs, j'ai payé des tonnes. Et le, cash, et le cash, il descendait, il descendait, il descendait, il descendait, il descendait. Que là, je pense, que je serais, je prendrais, euh, bah, je, je, vais, je prends un avion, je vais à Porto, je développe des maillots de bain, j'y vais tout seul. Je me démerde. Je fais en mode système D. Je fais un petit site au démarrage. Je me débrouille pour faire deux, trois salons. Je connais les bonnes personnes. Maintenant, j'ai les connexions. Dans telle et telle bonne boutique, je m'assure de bien contrôler ma distribution et de faire, euh, piano piano, vasano. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, et attendre, et ça ira. Que là, j'ai voulu tout de suite sortir peut-être un peu trop les gros sabots et, et bombarder au démarrage. Mmh. Parce que je pense qu'au démarrage, quand on a commencé à Harmonie, c'était un peu waouh, c'était waouh, le mec, il fait. Il est pas boutique, là pour rigoler, ouais. Il fait une boutique directe, il fait du wholesale direct, un peu de wholesale, il, mmh. il fait un e-commerce, il fait l'homme, il fait la femme. Là, je pense qu'il faudrait. Euh, plusieurs fois, j'ai pensé, est-ce que je devrais faire un truc en plus ou recommencer, faire un truc juste simple et je pense que pour que ça marche commercialement, il faut que la perception des gens elle soit claire. Soit très claire. Là, je sais pas si tu as vu, il y a une marque qui vient de se lancer qui s'appelle From Future. Oui, j'ai vu. Ouais. C'est un, un bon pote à moi qui le fait. Mm. Ils font juste des pulls en cachemire et leur propos c'est de faire des pulls en cachemire comme des pulls bon parts à des prix de pulls Uniqlo. Ils font un massacre parce qu'ils font que des pulls. Mm. Et je pense qu'il faut faire faut avoir une euh, une vision claire, Il faut faire peu de choses et excellemment bien. Et moi je je m'éparpille rapidement parce que quand je te disais quand j'aime j'admire un Ralph Lauren c'est eh ben ah, on fait un pantalon ah non en fait on va faire une chemise et si on faisait un et si on faisait une paire de lunettes et après bon et si on faisait une Rolex Bamford et bon et si on faisait une un Land Rover customisé c'est toutes les cinq minutes j'ai une nouvelle idée je vais dans mmh. tous les sens. Et je pense que la clé en tout cas quand tu commences très petit et si tu veux que ton business, il soit rentable et tu dois pas constamment lever des fonds, il faut vraiment être en mode tireur d'élite. Faire très peu, très bien et, et très peu coûteux en termes de structure financière, j'entends. Que là, nous, on a une structure qui coûte de l'argent. Donc, il faut assurer. Mmh. Tu disais que tu faisais aussi 20% de conseils à côté. Mmh. Euh, C'est quoi exactement Je fais du conseil en direction artistique. Ouais. Storytelling, euh, donc j'aide euh, des entrepreneurs qui viennent me voir à faire, euh, à poser les bases sur leur entreprise ou sur leur marque, que ce soit euh, création de contenu, euh, réalisation de photos de campagne, euh, réalisation de mmh. gestion d'un e-shop, euh, création d'un e-shop de A jusqu'à Z, développement, intégration, euh, gestion des réseaux sociaux, organisation de collabs, plein euh, mmh. de choses comme ça. Et tu le fais parce que pour des, des besoins financiers ou c'est pour un besoin de te nourrir et de un peu des deux un peu deux ouais. c'est financièrement de faire du consulting ça paye beaucoup plus que d'avoir une marque ouais. tant qu'on passe à un certain palier et aujourd'hui en fait ce que je te dis c'est quand à ta propre marque et à un point mort élevé comme le nôtre bah tu es pas très serein dans tes mouvements et ce que j'aime quand je fais du consulting pour quelqu'un là je fais du consulting pour une marque de lunettes de luxe très jolie eh bien, ils m'ont dit, fais ce que tu veux. Donc j'étais beaucoup plus détendu sur le set avec le photographe. Pourtant, j'étais avec les mêmes équipes avec qui je travaillais sur Harmony. Mm. Il m'a dit, tu te rends compte quand tu es sur Harmony, comment tu es tendu sur un shoot, que là, c'est euh, tu es prestataire en fait. Mm. Donc, euh, tu n'as pas les mêmes incidences. Tu dois rendre un travail parfait à ton client, certes, mais tu n'as pas les mêmes incidences financières. Mm. Donc, ça te permet de, de respirer un peu et j'aime bien sortir. De cette bulle de harmonie un petit peu. Parce mmh. que c'est une bulle très anxiogène souvent. Mmh. Avec qui tu rêverais de travailler En tant que consultant Ouais, ou même je avec collab, un ph photographe, collab, etc. Ou... Ben, J'aimerais bien travailler avec. Euh... Tu vois, quand on disait. Quand je te disais, je pense qu'il y a des marques. Moi, j'aime cette idée du spécialiste. Donc, cette version on devait faire une chaussure avec Alden si on devait faire une chemise avec Brooks Brothers, si on devait faire un trench avec Macintosh, mm. si on devait faire des lunettes avec Max Pition, que les spécialistes de chaque catégorie mm. et travailler avec eux, développer des produits avec eux, euh, ce, serait, ce serait fabuleux. Et après, faire des projets avec Nike ou mm. des marques de sport que j'ai toujours admirées, ce serait euh, avec un projet avec Patagonia, le sweat que tu portes, avec des marques qui ont des des visions et des états d'esprit très clairs, très affirmés. Mm. Juste de rencontrer ces gens, ça doit être fabuleux. Oui. Tu vois, Patagonia, c'est un des, un des patrons les plus passionnants de. Mm. Je ne sais pas si tu as lu sa bio ou des choses bon comme China, ça. Ouais, je suis en train de lire euh, Let My People Go Surfing. Ben voilà. Et c'est vraiment cool. C'est hyper inspirant. Exactement. Euh, on parle de Patagonia, tu fais la bonne transition sur la partie sustainability. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'industrie ne sait pas trop comment se positionner dessus. Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on n'en parle pas Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on ne le fait pas Est-ce que le moyen de production aujourd'hui, il est prêt ou pas euh, Et on sent que ça commence à frémir dans, chez les consommateurs. Ils, ils Pour me toi, c'est en tant que consommateur Pour moi, c'est important, ouais. Nous, en tout cas, je pense que c'est important. En tout cas, le, le move qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'expliquer comment et par qui est réalisé nos vêtements. Parce que j'ai l'impression que le client... Est... Le client, il cherche cette justesse et il veut savoir ce qui est juste. Et je pense que ce qui est juste, c'est comment le vêtement est conçu de A jusqu'à Z, par qui il est conçu, combien je le paye, combien je le vends. Et je pense que c'est quand on parlait de, à l'époque des blogs de 2010, et là, les choses ont évolué, les clients, ils sont beaucoup plus au fait de tout. Et je pense que un client averti, on doit lui raconter une histoire, parce que s'il n'y a pas cette histoire, il sent qu'il y, y a un loup dedans. On veut lui cacher quelque chose. Donc, nous, notre politique, la plus on va avancer, ça va être de notre laine, on l'achète chez tel fournisseur en Italie, notre manteau, il est, il est monté chez tel façonnier à Paris, et pour expliquer le, le, de A jusqu'à Z de ce qui se passe. Mm. Nous, en tout cas, ça va être notre, notre objectif. Et, et j'aime bien les marques qui font ça, moi, personnellement, parce que j'ai envie de savoir si je me fais avoir ou pas, personnellement. Mm. En tout cas, notre génération, 25, 40 ans, j'ai l'impression mmh. qu'on veut savoir combien on paye mmh. et pourquoi on paye cette, cette, cette chose-là. Ici, si c'est justifié. Et en tout cas, j'espère que pour nous, la valeur perçue, c'est que ce qu'on fait, c'est justifié. Parce que je sais ce qu'on fait, c'est pas extrêmement cher, mais c'est pas cheap du tout, et c'est une certaine valeur pour des personnes. Et j'aime cette idée de se dire comme quand on va au restaurant, on en a pour son argent dans son assiette. Mmh. C'est super important. Mmh. Je veux que la personne qui sort de la boutique, qui sort du e-shop tu te dis, j'en ai pour mon argent. C'est vraiment important parce que c'est le seul moyen de fidéliser son client et d'avoir un effet repeat. Mmh. Et je pense que le meilleur ambassadeur de marque, c'est juste ton premier customer. Parce que quand on est une petite marque comme nous, on n'a pas les moyens de faire beaucoup de marketing. On pas d'affichage, on n'est pas annonceur, on ne prend pas Kate Moss pour être notre ambassadrice. Et si demain tu achètes un pantalon Harmony et tu en es ravi, tu seras le meilleur ambassadeur de la marque. Mmh. Donc toi, on doit te chérir. Et aimé au maximum. T'as un mantra euh... Soit je gagne, soit j'apprends. <laughs> c'est vraiment ça pour le moment. Mmh. C'est quoi ça. le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné Le meilleur conseil, c'est... Euh... J'ai plusieurs conseils qu'on m'a donnés qui sont bien. C'est... Euh... Arrête de regarder autour, arrête de regarder autour de toi parce que moi j'ai vu que j'ai grossi très vite au démarrage. Ça s'est tassé et j'ai vu les gens avec qui j'ai commencé quand je te parlais des Ronnie Fieg, des Santis, des, des millions d'or, Guillaume de Filippis exploser devenir des réussites et moi j'étais assez frustré de ça. Mmh. Donc c'est chacun son propre chemin et la réussite de chacun si tu te donnes du mal, ça arrivera à un moment prédéfini. Chacun a son histoire. Soit je gagne, soit j'apprends. Je pense que c'est un entrepreneur que j'admire qui me le dit tout le temps. Il me dit Pour l'instant, tu es en train de parfaire ton éducation de mode. Donc, prends ton temps. Tu ne peux pas réussir tout de suite parce que tu ne tu, tu maîtrises pas encore parfaitement ton sujet. Et après, il faut pas brûler les étapes parce que moi, j'étais connu, je pense, pour vouloir aller très vite et, et sauter beaucoup, beaucoup de marches. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut pas faire avec du recul. Avant de passer le step 2, il faut que le step 1 soit con de, euh, consolidé et ainsi de suite. Parce que la réussite des marques qu'on admire, quand tu admires un Jean Touitou, quand tu admires un Patagonia, quand tu admires un Ralph Lauren, un Calvin Klein, une Donna Karan, ces gens-là, eh ben, ils sont là sur le long terme. Et sur le long terme, ça nécessite des fondations exceptionnelles. Mmh. Et si tu n'as pas ces fondations-là, tu ne sers à rien en fait. Mmh. Moi, je sais que je suis très désorganisé, je sais que j'ai besoin de me structurer, c'est mon gros défaut. Mais euh, j'essaie de faire un travail quotidien sur ça parce que sinon, ça va être, ça va être difficile. Mmh. Parce que c'est un. Tout le monde me disait, les, les défauts d'harmonie, c'est que d'extérieur, c'est une très belle maison. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu vois que c'est un bordel monumental. Et aujourd'hui, ma mission principale, c'est de rendre ce bordel monumental un truc un peu plus. Un peu plus serein. Et quand ce sera serein, tu pourras appuyer sur le champignon. Tu passes de 1 à 10 millions, de 10 à 100. Mmh. Tu peux le faire. Mmh. Mais si tu es bancal, tu resteras toujours bancal. Et donc, euh, donc je pense que c'est vraiment ça. Et, de, et le principal conseil, c'est le conseil de mon père, c'est mettre ton ego de côté et, et d'être humble avec tout le monde. Parce que quand ça commençait à marcher, je respectais beaucoup les gens qui avaient des succès énormes, mais succès énorme ou aucun succès. Respecte tout le monde, prends ton temps et laisse ton ego de côté parce que l'ego peut te faire prendre des décisions désastreuses. Donc là, c'est. J'essaye de mon cerveau le couper en deux. Des fois, j'ai des moments d'émotion je réfléchis avec mes émotions, mais à un moment, il faut réfléchir de façon rationnelle. En tout cas, si on veut vivre de ce business. Est-ce mmh. que c'est un business tellement dur qu'il faut le moindre écart de stock de, de tout. Faut, faut, faut pas merder, quoi. Mmh. faut pas merder. Très bien. Euh, bon, on arrive à la fin de cette interview. Ça allait C'était très bien. Est-ce que tu as, est as envie de rajouter d'autres choses, peut-être euh, Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter Non, je te remercie de m'avoir reçu. Ouais. Et franchement, euh, on est, je suis honoré de que tu fasses appel à moi. Et... Voilà. Je ne sais pas quoi te dire. C'est ouais. juste euh, je raconte mon histoire à ma façon. C'est très bien. Elle a rien d'exceptionnel. C'est juste un... Un entrepreneur qui se bagarre tous les jours, quoi, c'est tout. J'ai une dernière question que je pose toujours à mes invités, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast Qui je souhaiterais entendre Ah, ça c'est une bonne question. Qui je souhaiterais entendre Il faut que tu fasses venir euh, Corentin Petit. Ouais, mais alors lui, il est compliqué à avoir, hein, Corentin. Corentin, il est fort, hein, c'est un crack. Il est fort parce bah, que oui. à la base du succès de Balibari et là, Cézanne, c'est monstrueux et Octobre, mmh. c'est monstrueux aussi. Mmh. Ouais, ouais, c'est, ce serait intéressant de, de l'avoir. Moi, je le trouve captivant. Mais tu le connais, tu le côtoies, tu le, tu, ou pas Oui, on tout. est en train de faire des trucs ensemble. En très ah, Génial. Ouais. Ouais, ouais, très fort, très fort. Eh ben, merci. Je, je prends mon téléphone et je <laughs> prends son numéro tout de suite. <laughs> Allez, <merci>. À bientôt. <laughs> Salut. Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2 euros par mois en allant sur patreon.com slash entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.